Comment obtenir rapidement et gratuitement plus d'abonnés de trafic sur ta chaîne YouTube grâce à l'intelligence artificielle? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler un outil simple, gratuit et puissant pour faire des shorts YouTube en même pas 10 minutes chrono. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de matériel vidéo. Comme dans mon dernier short que tu peux voir ici à l'écran, tu n'as même pas besoin de te filmer ou d'enregistrer ta propre voix. Non, c'est l'intelligence artificielle qui va s'occuper de tout à ta place. Donc, t'as pas besoin de caméra, t'as pas besoin de micro et t'as pas besoin d'être un professionnel du montage vidéo. Je te dis tout juste après ça. Salut, c'est Pascal et j'aide les entrepreneurs à se démarquer et à augmenter leurs ventes grâce à la vidéo. Aujourd'hui, on parle de short YouTube. Créer des formats courts, tu dois le savoir, des formats de moins de 60 secondes, c'est très important pour augmenter rapidement ta visibilité. Le problème avec ça, c'est que créer des shorts, ça te demande deux choses. La première, ça va te demander beaucoup de temps pour écrire, tourner et monter ta vidéo. Et enfin, la deuxième chose, ça va te demander du matériel comme les caméras, le micro, l'éclairage, le logiciel de montage, etc., etc. Mais reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te montrer la solution. Tu vas découvrir la technique pour créer un short en même pas 10 minutes. Et surtout, tu vas voir que tu peux faire ça sans micro et sans caméra. Je vais te montrer comment faire ça en un clic et même si tu n'as aucune connaissance technique. Et tout ça grâce à un outil d'intelligence artificielle simple, gratuit et terriblement efficace. Pas besoin de ChatGPT pour écrire le script de ta vidéo, pas besoin non plus de CapCut pour faire ton montage, et enfin, pas besoin d'utiliser ta voix ou celle d'un comédien. La méthode que je vais te partager ici s'applique à toutes les niches, quel que soit ton domaine d'activité, c'est vraiment génial. Et cet outil magique, c'est Flicky. Dans ce tuto, je te parle de la fonctionnalité ID to Video. C'est gratuit et je te laisse le lien pour t'inscrire sous cette vidéo. Alors, la première chose qu'on va faire quand on arrive sur la plage de Flicky, quand on s'est inscrit, c'est de créer un nouveau projet. Donc, on va aller dans nos files, en haut, et on va l'intituler. Donc, moi, pour l'exemple, je vais prendre, 3 raisons de faire des vidéos short. Voilà, bien sûr, on va mettre en français. Vous voyez, il y a beaucoup de langues hein, possibles. Nous, on va prendre le français et on va rester sur vidéo. On va cocher vidéo parce qu'on ne veut pas que l'audio, on veut la vidéo aussi. Et on va valider. Ensuite, la première chose qu'on va faire, c'est de configurer nos settings, nos réglages. Donc pour ça, on va aller dans settings et on va choisir. Vous voyez qu'on est derrière, on est en format carré. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse, le square. Ce qui nous intéresse, pour l'exemple, je vous rappelle qu'on est sur des vidéos short. Les vidéos short, c'est des vidéos verticales en portrait. Donc c'est du 9/16. Voilà. Et on va laisser cocher la vidéo. On va laisser cocher les deux cases. Alors la première, c'est pour mettre des légers fondus entre les séquences, vous allez voir, entre les scènes. Et la deuxième case, on va laisser cocher, c'est pour mettre des légers zooms si vous choisissez des vidéos. Des photos, pardon. Vous pouvez choisir des vidéos et des photos. Bien sûr, je vous encourage à choisir des vidéos parce que c'est beaucoup plus dynamique pour illustrer votre texte. Mais vous pouvez aussi choisir des photos. Et dans ces cas-là, pour la rendre un peu plus dynamique, votre photo, l'application va créer un léger zoom dans la photo. Donc on va laisser cocher. On appuie sur sauvegarder, sur save. Voilà, on voit bien qu'on est passé en format vertical. On va cliquer là-dessus et là on va voir qu'on a sous-titres. Les sous-titres, moi j'aime bien les mettre au milieu. Voilà, donc là on va régler nos sous-titres, les futurs sous-titres qui vont apparaître. On va les régler au milieu de l'écran et on va choisir la police. Alors moi je vous conseille Lexand ou Joséphine Sang. Voilà, ben on va prendre Lexand pour l'exemple. Après vous pourrez choisir la police, vous pourrez tester toutes les polices et tester celle qui vous correspond pour les sous-titres. Voilà. Et on va choisir dans Display, au lieu de laisser une phrase entière qui apparaît dans les sous-titres, moi j'aime bien mettre des mots, juste un mot en fait, je trouve que c'est beaucoup plus dynamique, les mots qui apparaissent les uns après les autres. Et pour la couleur, bah, je vous laisse choisir, moi je laisse tout d'origine. Et vous appuyez sur le petit bouton en bas, appliquer à tous les calques. Donc on va appliquer à tous ces réglages, voilà, ça c'est fait. Ensuite, une fois que les réglages sont faits, on va pouvoir commencer à créer notre projet vidéo. Donc pour ça, on va aller sur Convert. Et là, on va aller dans ID to Video. Voilà. On va lui proposer une idée dans le texte de vidéo. Donc moi, je l'ai copié-collé voilà, de tout à l'heure. 3 raisons de faire des vidéos short. Donc ça, c'est l'idée. Vous pouvez développer, mettre d'autres mots-clés si vous voulez. Mais déjà, il faut lui soumettre une idée à l'intelligence artificielle. Et c'est elle-même qui va vous faire tout le texte
et qui va vous mettre les images d'illustration, les vidéos, les photos juste à côté. Vous allez voir, c'est assez puissant. On va laisser cocher short parce que nous, on est sur le format short. On peut aussi faire des vidéos plus longues si on veut, voilà. Mais nous, on va rester sur le short et le style, on va rester sur défaut. Donc là, l'intelligence artificielle a travaillé et bon, j'ai coupé parce que ça a pris une minute. Sinon la vidéo serait trop longue et on voit qu'on arrive à gauche, donc à droite on a le viewer, on voit les images et à gauche on a les textes avec les photos, donc là il n'y en a pas, là il n'y a pas de vidéo, les photos, les vidéos qui correspondent à chaque texte. Donc bah là nous a trouvé, j'avais demandé 3, nous en a trouvé 5 finalement de raison, l'intelligence artificielle, tant mieux. Donc elle nous a trouvé, elle nous a écrit le texte en français et elle nous a trouvé les vidéos qui correspondent. Alors bien sûr des fois il va falloir retoucher des textes et retoucher des vidéos parce que c'est pas parfait, mais ça nous a permis de gagner un temps fou. Donc on va voir. La première chose qu'on va faire, on va regarder s'il n'y a pas d'erreur. Voici 5 raisons de faire des vidéos courtes, donc ça c'est parfait. Moi ce que je vous conseille, c'est de garder une phrase par bloc, avec une image d'illustration pour que ça soit dynamique. Et au lieu d'avoir 2-3 phrases, c'est un peu plus statique je trouve. Donc garder une phrase par bloc, donc là c'est parfait. On vérifie, voilà, là c'est un peu long, vous voyez. Quatrièmement, créer une vidéo plus short, courte, plus rapide et offrant ainsi un meilleur rendu sur investissement. Donc là, on va couper. Créer une vidéo. Quatrième raison, créer une vidéo, c'est plus rapide et moins cher. Voilà, on va couper là. Et on va marquer ça. Ça offre ainsi un meilleur retour sur investissement. Et cette partie, on va la couper. Et on va la mettre dans un nouveau bloc avec une nouvelle vidéo d'illustration. On va la coller. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus dynamique de garder une phrase par bloc. Et enfin, le format vidéo short est parfait. Ok. Moi, ce que je vous conseille à la fin, c'est d'ajouter un appel à l'action. Il n'y est jamais, en fait. L'intelligence artificielle ne pense pas à mettre un appel à l'action. C'est très rare. Donc, vous appuyez sur « Add a new scene ». Vous rajoutez une scène. Et là, vous tapez, par exemple, un appel à l'action qui pourrait être « Si tu veux ». D'autres conseils comme ça, abonne-toi. Voilà. Vraiment, c'est très important de mettre un appel à l'action à la fin. Voilà. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'image d'illustration, donc on va la chercher. Donc, il y a deux solutions. Soit on appuie sur Autopic et c'est automatiquement l'intelligence artificielle qui va chercher. Voilà. Qui va reconnaître les mots, qui va chercher quelque chose comme abonne-toi. Donc là, vous voyez, ça n'a rien à voir. Ce qu'on peut faire. D'autres conseils comme ça, abonne-toi. Ce qu'on peut faire. C'est cliquer directement sur l'image, sur la vidéo, et aller chercher nous-mêmes. Donc là, on va chercher YouTube. On va taper YouTube. Et voilà. Ça ressemble à quelque chose pour abonne-toi. Vous voyez, il y a pas mal d'exemples. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Ben, on pourrait choisir ça, par exemple. Donc on va cliquer dessus. Automatiquement, ça va nous mettre la vidéo. Si tu veux d'autres conseils comme ça, abonne-toi. Alors, on va remonter, on va vérifier chaque bloc. Alors, le premier, vous voyez, l'image, elle correspond pas tout à fait. Voici 5 raisons de faire des vidéos short. On va choisir autre chose. Alors, on va voir ce qu'il propose. Non, pas terrible. Donc, on va chercher YouTube ou vidéo. On va taper vidéo. On va voir ce qu'il propose. Là, on voit quelqu'un qui fait une vidéo, donc ça peut être intéressant. On va cliquer dessus. Automatiquement, vous voyez, c'est rapide. Hein. Automatiquement, il nous met la vidéo. Donc ça, c'est bon. Ensuite, premier conseil, ce type de format captive l'audience rapidement. Qu'est-ce qu'il nous a mis On va regarder. Premièrement, ce type de format vidéo captive l'audience rapidement. Ouais, ça, c'est pas terrible. Premièrement, ce type de format vidéo captive l'audience rapidement. Donc, on va chercher dans audience. On va voir ce qu'il propose. Ouais, on voit quelqu'un qui est captivé là au cinéma, ça peut être intéressant, donc on va cliquer dessus. Automatiquement, il va nous la mettre. Voilà, on va faire chaque bloc comme ça. Quelques secondes, votre message est délivré de façon percutante. Donc là, on va mettre quelqu'un qui filme plutôt, ça peut être sympa. Vidéo, toujours pareil, on va mettre... ça. Voilà, donc c'est rapide. Hein. Deuxièmement, le short est idéal pour les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il nous a mis Non, là, je ne suis pas d'accord. C'est pas terrible, ça. Pour les réseaux sociaux... Deuxièmement, le short est idéal.
On va choisir quelque chose qui ressemble aux réseaux sociaux. Voilà, ça, c'est vraiment les réseaux sociaux. Il va nous mettre la vidéo. Voilà, c'est parfait. Ensuite, en effet, les utilisateurs préfèrent des contenus courts et engageants. Ok. Troisième, les shorts permettent de raconter une histoire. Là, on voit une maman qui raconte une histoire. Donc, c'est parfait. Il a compris. Ah, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'image. Résultat, ça stimule l'intérêt du spectateur. Ça favorise le partage. On va taper sur auto. On va voir ce qu'il nous propose. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et quatrième, créer des vidéos. C'est plus rapide et moins cher. Non, ça, c'est pas terrible. On va taper YouTube. Ah, ça peut-être pour rapidité. Quatrième raison, créer une vidéo courte, c'est plus rapide et moins cher. Ça, c'est pas mal pour la rapidité. Voilà, on a trouvé quelque chose de bien. Là, il n'y a rien. Ça offre un meilleur retour sur investissement. Bon, là, je ne sais pas ce qu'on peut mettre. On va voir ce qu'il propose. Ça offre ainsi un meilleur retour sur investissement. Non, ça, c'est pas terrible. On va mettre autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Investissement. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Et enfin, le format vidéo short est parfait pour le mobile. Donc ça, c'est parfait. Il y a un téléphone. Tu veux d'autres conseils, abonne-toi. Voilà, ben on a terminé. Vous voyez, ça a pris même pas 10 minutes. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on peut choisir la voix. Donc là, d'origine, il y a Alain, mais on peut cliquer dessus. Et on peut choisir parmi les... Alors là, j'ai mis France, hein, mais il y a des voix françaises. On peut choisir la voix qu'on veut. Là, on est sur la voix de Alain. On peut changer si on veut autre chose. Bon, on va prendre Brigitte, par exemple. Voilà, on clique dessus. Déjà, pour écouter, on peut écouter. Ricky vous aide à créer du contenu audio et vidéo à l'aide d'une intelligence artificielle réelle. Voilà, si vous voulez Brigitte, vous cliquez sur Brigitte, hop, et vous appuyez bien sur « Appliquer à toutes les scènes ». Voilà, et vous sélectionnez, et vous voyez que Alain va disparaître, et c'est la voix de Brigitte qui va apparaître. Voilà, alors une fois que tout est fait, qu'on a tout vérifié, on peut télécharger notre vidéo. Donc on va appuyer sur « Download » et on va appuyer sur « Start Export ». Donc il nous demande si on est OK. On met OK et là, il va automatiquement chercher à exporter notre projet vidéo. Donc, ça prend un petit peu de temps. Vous pouvez fermer la fenêtre ou passer sur un autre projet. De toute façon, il vous avertit par mail quand c'est terminé. Voilà, ça prend une ou deux minutes. Donc, je vais couper la vidéo et puis je vous retrouve avec le projet terminé. Voici 5 raisons de faire des vidéos short. Premièrement, ce type de format vidéo captive l'audience rapidement. En quelques secondes, votre message est délivré de façon percutante. Deuxièmement, le short est idéal pour les réseaux sociaux. En effet, les utilisateurs préfèrent les contenus courts et engageants. Troisièmement, les shorts permettent de raconter une histoire en très peu de temps. Résultat, ça stimule l'intérêt des spectateurs et ça favorise le partage. Quatrième raison, créer une vidéo courte, c'est plus rapide et moins cher. Ça offre ainsi un meilleur retour sur investissement. Et enfin, le format vidéo short est parfait pour le mobile, le support le plus utilisé aujourd'hui. Si tu veux d'autres conseils comme ça, abonne-toi. Bon alors, vous avez vu la puissance du logiciel. C'est hyper intéressant, moi, je trouve, pour gagner du temps. Maintenant, au niveau des tarifs, il y a plusieurs abonnements, en fait. Donc, vous avez une version free, une version gratuite. Mais elle a certaines limitations, voilà, donc moi je vous encourage à commencer avec la version gratuite pour tester, pour voir si l'outil vous plaît. Alors les limitations c'est quoi? On est limité à 5 minutes de vidéo par mois, donc ça va, c'est très vite, hein. Si vous faites un short, c'est environ une minute, vous pouvez faire que 5 shorts. Vous êtes limité aussi au format HD, c'est-à-dire 720p, ce qui n'est pas terrible en fait au niveau qualité. Ça peut passer, mais moi je préfère exporter en 1080, en full HD. Donc vous êtes limité à la HD et c'est surtout que vous avez un watermark, c'est-à-dire que vous allez avoir sur la vidéo finale un filigrane qui fait pas très professionnel. Donc il y a des logiciels pour enlever ça, mais vous allez avoir un watermark, voilà. Ensuite la version basique, j'en parle pas parce que la version basique c'est vraiment juste pour l'audio, voilà. Donc nous ce qui nous intéresse c'est pas l'audio, c'est la vidéo. Donc on passe directement à la version conseillée qui est la standard à 21€ par mois. Ça c'est si vous prenez l'abonnement à l'année, si vous prenez mois par mois ça revient à 28$, donc c'est pas, moi je trouve que c'est pas très cher, mais moi j'ai pris l'abonnement à l'année à 21$, ce qui fait à peu près 20€ par mois, voilà, je trouve que c'est correct comme tarif. Et là par contre vous allez pouvoir sortir en full HD,
aller jusqu'à 180 minutes de vidéo. Donc 180 minutes, ça fait 180 shorts. Hein. Il faut les faire. Hein. Voilà, vous n'aurez pas le watermark sur la vidéo et vous allez pouvoir exporter en 1080. Donc voilà, moi c'est vraiment la formule standard, c'est vraiment la formule que je vous conseille. Je vous laisse le lien juste en dessous en fait pour pouvoir vous inscrire. Voilà, n'hésitez pas, prenez la version gratuite pour tester et si ça vous plaît, bah, je vous encourage à passer vers la version standard à une vingtaine d'euros par mois. Donc si je résume, avec Flicky, tu vas pouvoir créer une vidéo short en moins de 10 minutes chrono sans passer des heures à écrire le script de ta vidéo, sans te filmer, sans enregistrer ta voix et enfin sans passer un temps fou à faire du montage vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'encourage dès à présent à tester cet outil gratuit d'intelligence artificielle. Cet outil va carrément te changer la vie. Tu obtiendras des shorts de qualité professionnelle en minimum de temps. Bien entendu, il existe un tas d'autres outils comme Flicky et ça fera l'objet d'autres vidéos. J'espère que tu t'es abonné à ma chaîne et que tu as activé les notifications pour recevoir toutes mes futures vidéos. Et si tu es entrepreneur et que tu souhaites augmenter tes ventes grâce à la qualité et à la viralité de tes vidéos, j'ai une offre pour toi. J'ai créé Vidéomaster. Vidéomaster, c'est quoi? C'est tout simplement la méthode de A à Z pour t'apprendre à attirer une audience qualifiée et à augmenter tes ventes en seulement 30 jours. Tu y découvriras comment faire décoller ton activité grâce à la vidéo, avec ton smartphone, sans y passer des heures, et surtout, même si tu n'as aucune compétence technique. Et tout ça, sans investir des milliers d'euros en publicité. C'est 100% organique. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Allez, il est temps de se quitter. Je te dis un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un outil d'intelligence artificielle qui va révolutionner ta façon de travailler. À la semaine prochaine.